Salut tout le monde les gars, c'est Supra et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va tout simplement parler de la fusée encore une fois ou de la bombe nucléaire comme vous voulez. Donc cette fusée, on pourra la contrôler à partir de mardi du moins, pouvoir la lancer comme on peut voir sur l'écran de chargement. Alors à voir comment ça va être, parce que si on le lance à chaque partie et que ça pète la map, je pense qu'il va y avoir genre une personne qui va le lancer, mais elle aura la chance et du coup derrière ça va engranger quelque chose. Donc c'est grâce à Two Epic Buddies. La plupart des choses ont été trouvées par cette personne de toute façon sur Fortnite dans les codes source du jeu. Il a également trouvé, donc comme quand sur les fichiers, donc je vous mets tout ça à l'écran, comme quand vous pouvez la contrôler. Donc tout ça c'est à partir de mardi. Il a également trouvé la modélisation, voilà, je vous mets tout ça à l'écran. En gameplay, je vous mets un gameplay de Ninja qu'il a fait durant la Coupe du Monde Fortnite. Voilà, je voulais vous partager pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Bon, je vous mets juste la fin. Il a un peu campé tout le long, il a eu 0 kill je crois, enfin non, il a eu quelques kills mais 5 je crois, enfin je sais plus vraiment. Je peux pas trouver ouf le gameplay, après normalement c'est en Coupe du Monde donc t'as la pression et puis il y avait 1 million de dollars à la clé donc je peux comprendre. Donnez-moi un peu votre avis voilà là-dessus, ce que vous en pensez, comment on va contrôler ça, si c'est encore comme une histoire de... ça va être une cinématique comme la bombe, comme la météorite ou quoi que ce soit. Donc en tout cas voilà les gars, c'est une courte vidéo, voilà juste pour vous dire comme quoi on pourra contrôler la fusée, donc ça c'est assez énorme. Donc je ferai une autre vidéo la prochaine fois sur un autre sujet, je pense qu'il va vous plaire. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine et allez, bye tout le monde.